amis, il avait raison, Éric Zemmour. La France est au bord de la guerre civile, mais pas celle qu'il imaginait, entre deux populations sur le même territoire. Là, c'est entre Marseille et Paris. Parce que après les décisions de Véran hier, le bras qu'il a fait aux Marseillais, il n'a pas prévenu les élus, il n'a pas prévenu Muselier, il n'a pas prévenu Rubirola, il n'a prévenu personne, et il leur a fermé leur bar et leur resto pendant 15 jours. Ah oui, mais attendez, les Marseillais, il fallait qu'on se venge, les Parisiens, ils nous ont pas battus sur le terrain au Parc des Princes, ils nous ont battu 1-0, ils ont fait expulser Neymar, ils l'ont traité de singe, ils l'ont fait disjoncter. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et donc là, 15 jours sans bar, 15 jours sans resto, c'est... Et puis, ils n'ont pas intérêt à bouger parce que on leur a collé le préfet Barbe, un des meilleurs préfets de France. Le mec, il a commencé sa carrière à la sécurité routière. Et à la sécurité routière, il a été bon. Hein. Il a d'abord, c'est lui le précurseur du 80 km/h sur les départementales. Et puis, il avait dit, parce que on lui reprochait que les routes, elles étaient mal entretenues et tout, que c'était c'est pour ça qu'il y avait des accidents. Il a dit que plus il y avait de trous, plus les routes étaient mal entretenues, moins il y avait de morts parce que les automobilistes y roulaient plus lentement comme ça. Et puis, il avait eu sur un reportage de complaisance à la télé, il s'était fait prendre, il avait garé sa voiture sur une piste cyclable. Alors, les écolos, ils n'étaient pas contents. Hein. Et puis, depuis qu'il est préfet à Marseille, il a été à la hauteur de sa réputation. Pendant le confinement, par exemple, pour montrer qu'il n'est pas raciste, qu'il est ouvert aux cultures des autres, il a autorisé les musulmans à faire le ramadan entre eux la nuit et tout. Il dit que bon, ça, il ne peut pas surveiller. Il pouvait verbaliser les Français qui ne respectaient pas, mais là, ça, il ne pouvait pas. Et puis, il a interdit le maillot du Paris Saint-Germain dans Marseille parce qu'il estimait que c'était des troubles à l'ordre public. Donc, avec un mec comme ça, je peux vous dire que les bars et les restos fermés, ils n'ont pas intérêt à déconner les Marseillais. Hein. Alors, la question, c'est que les mecs, ils ne sont pas contents. Hein. C'est... Les élus disent qu'ils ont été pris pour des cons, mais qui c'est qui est capable de mener l'insurrection? Rubirola, elle est en arrêt maladie, mais ce coup-là, une vraie. Il paraît qu'elle n'est pas en état de tenir ses fonctions. Quelques mois après son élection, bravo, alors qu'elle a fait toute la campagne avec un arrêt maladie bidon. Bon, ça commence bien. Renaud Muselier, il est bien gentil, mais bon, il pleure et tout, c'est pas lui qui va mener l'insurrection. Mélenchon, il a d'autres chats à fouetter. Lui, d'abord, Marseille, ça a servi à se faire élire, mais il n'en a rien à foutre de Marseille. Il a un destin national. Et puis Jean-Luc, il est dans le débat sur la créolisation. Là, il a tapé fort. Résultat, tout le monde se fout de sa gueule en lui disant que les créoles, c'était des blancs, alors que Jean-Luc, il faisait l'apologie du métissage de la population. Autrement dit, moins de blancs, plus de noirs. Et puis Jean-Luc, il a des emmerdes au journal Le Média. Quatrième rédacteur en chef de Viré en 2 ans, là, Denis Robert, un mec qui a fait quand même sa carrière sur Clearstream, un bon journaliste d'investigation, Viré. Bah, attendez, les mecs, ils réclament des droits sociaux. Attendez, on est dans un journal militant. Alors, c'est le bordel, parce que... Le SNJ soutient le rédacteur en chef Denis Robert, mais la CGT soutient la direction. Donc vous voyez, Jean-Luc, il a autre chose à foutre que de s'occuper de Marseille. Non, non, moi je verrais bien, par contre, les commerçants, là, il y a un mec, Bernard Marty, là, lui, ça a l'air président de l'Union des métiers et tout, lui, il rigole pas. Il a dit, on va pas mourir comme ça sans se battre. Là, ça peut y aller. S'ils passent un accord avec les racailles, parce que les racailles, ça va pas non plus. S'ils peuvent plus faire écouler la cam et tout, il faut les commerces, il faut les restaurants, il faut les bars. Donc, moi, je verrais bien une alliance entre les commerçants et les racailles. Ah là, le préfet, il va avoir du mal. Mais alors là, la catastrophe pour le pouvoir, ça serait si le professeur Raoult prend la tête de l'insurrection, parce que tout ça, c'est
c'est de sa faute. Je veux dire, derrière Marseille et tout, Véran, il veut se venger de Raoult qui a foutu le bordel avec sa chloroquine. Et le message qu'il fait passer, eh ben, c'est que si on avait écouté, s'ils n'avaient pas écouté Raoult, ils ne seraient pas avec leur bar et leur restaurant fermés pour 15 jours. Tout est la faute du professeur. Il avait raison, Jimmy Mohamed, le consultant islamiste médecin de temps en temps sur Europe 1. Le professeur Raoult, c'est un charlatan. Donc, on ne sait pas du tout comment ça va tourner. Mais moi, très franchement, si le professeur, il prend la tête, si les mecs, ils défient l'État français, qu'ils ouvrent en même temps tous les bars, tous les restos, et qu'ils amènent les Marseillais et les racailles devant les bars pour protéger le libre accès à tous les Marseillais pour pouvoir picoler et manger en paix, manger la bouillabaisse, eh ben là, on est peut-être au bord de la guerre civile que prévoyait Éric Zemmour. Alors par ailleurs, à tout malheur, il y a quelque chose de bon, c'est que normalement les Marseillais, grâce à Rubirola et grâce à la municipalité, ils étaient prêts à accueillir l'Alan Kurdi. Vous savez pas ce que c'est l'Alan Kurdi, c'est un prochain bateau de clandestins, vu que les Rital, ils en veulent plus, plus personne en veut. La gauche, elle était d'accord, 130 mecs à bord, ils arrivent normalement le 27 et finalement Marseille, ça allait être open bar, ça allait être le port des migrants de toute l'Europe grâce à la gauche. Mais catastrophe, ce joli geste humanitaire pourra-t-il voir le jour alors que justement Marseille est en danger de mort et Marseille est quelque part la ville la plus contaminée de France? Peut-on laisser les malheureux migrants prendre des risques pareils? Probablement que non. Et donc si les Marseillais auront leur bar et leur restaurant de fermés, ils seront privés de leurs migrants. Bonne journée les amis.